La fenêtre d'éléments permet un certain nombre d'opérations aisées. Par exemple, je souhaite écrire une opération ensembliste. Eh bien, je vais chercher dans les opérateurs d'ensemble. Je vais chercher l'intersection. J'ai cliqué sur l'élément intersection et dans la zone de commande est apparu ce sigle plus petit que, point d'interrogation plus grand que, qui va être remplacé par un symbole, donc par exemple la lettre A. Intersection est un mot réservé. Puis nous avons l'autre occurrence de plus petit que, point d'interrogation plus grand que. Je mets un autre symbole, par exemple la lettre B, et j'ai donc l'opération ensemble A inter B qui est écrite. Un autre exemple avec, je vais simplement prendre les opérateurs unaire et binaire. Je vais prendre la division, une fraction. Je clique et j'ai de nouveau les opérateurs qui sont écrits ici sous forme codée. Donc ici, je remplace le premier, donc ce serait par exemple 12, puis le mot over qui est réservé, et puis l'autre occurrence de plus petit que, point d'interrogation, plus grand que, 12 over, par exemple, je mets 3, et puis égale 4. Et voici l'opération terminée. Donc grâce aux opérateurs disponibles ici, aux modèles d'opérateurs disponibles ici, je peux assez facilement écrire un certain nombre de formules.